Salut, bonjour. On va ce matin aller voir Metallic Man qui nous a pondu un article assez sympathique que je vous mets tout de suite en partage. Le voici. Donc, séduction subliminale. Programmation subconsciente en utilisation des sons et des radiations subsoniques. Alors, il commence à nous dire que finalement, l'aspect qu'on a de la situation en Afghanistan est bien différente sur place que ce que nous en donnent nos médias favoris. Il suggère aux gens de se calmer. Il entrevoit différentes possibilités quant à cette débâcle américaine suite au retrait de leurs troupes d'Afghanistan. Est-ce volontaire ou ne l'est-ce pas? N'y a-t-il pas des intentions subtiles derrière? Comment se fait-il qu'il laisse du matériel d'une telle valeur sur place? En encart, je dirais que le rapport d'Iron Mountain stipule que pour une économie florissante aux États-Unis, il est quasiment nécessaire que soit préparée une guerre ou une guerre soit en train de se dérouler. Une guerre entretenue évidemment par le complexe militaro-industriel américain. Entretenue et qui la nourrit, qui le nourrit. Puis de toute façon, aujourd'hui, moi je dirais que les Américains font peut-être plus ce qu'ils peuvent que ce qu'ils veulent. La puissance russo-chinoise catalysée au niveau de la route de la soie par la présence cybertechnologique israélienne, en tout cas celle-là, est une raison d'être suffisante pour que finalement l'Afghanistan redevienne une zone de fréquentation potentielle pour les caravanes économiques de cette route de la soie qui va faire se joindre l'Europe, l'Asie, l'Afrique autour du Grand Israël. Je ne dis pas que le Grand Israël est déjà créé, mais je dis que cette entité économico-politique sera au centre, quelle que soit sa taille d'ailleurs, hein. Elle est au centre de cette route de la soie à trois pétales, dont le centre est situé au Moyen-Orient. C'est rigolo le français parce que ah, je viens de sentir la pierre me tomber sur le pied, donc oui, bon, je crois que on a compris. C'est rigolo le français parce que trois pétales, ça m'étonne. Je me demandais jusqu'à quel point on ne devait pas dire trois pétaux. On va faire une introduction en suivant son article. L'expérience de Metallic Man. Metallic Man, c'est le nom qu'il s'est donné. Il peut personnellement garantir que plusieurs de ses personnalités sont ressorties pendant sa retraite au sein des installations sécurisées d'ADC Pine Bluff. Encart. Pine Bluff, je pense que c'est une ironie sur Pine Gate, Gape, GAPE, qui est cette base secrète essentiellement souterraine située en Australie,
dans laquelle, paraît-il d'ailleurs, les ITI vont se reposer une fois qu'ils ont eu affaire aux humains. On est très fatigant pour eux. Ben, au moins ça. Hein. Donc, ils l'appellent Pine Bluff. Je ne sais pas trop pourquoi. Il y a peut-être un article qui nous en dira plus un de ces jours, quand je tomberai dessus. Il ignorait qu'il avait ses personnalités, ses capacités, ses compétences et ses comportements potentiels. Il a vécu avec eux et ils ont dormi en lui durant une grande partie de sa carrière au sein du Majestic. Je rappelle que Metallic Man est un ancien du programme Majestic tenu par le Majestic 12. Des programmes Majestics tenus par le Majestic 12. Et il détaille pas mal, donc je vais le lire là. Il peut aussi nous dire que lorsque son cerveau était déverrouillé, il devait absolument s'assurer qu'il était dans une pièce capitonnée, très sécurisée, au moment où il laissait aller ses capacités. Je ne sais pas si vous voyez l'affaire là. On est carrément chez X-Men. Hein. Presque. Voilà. On est à deux doigts de chez X-Men. Personnellement, j'aime beaucoup la situation. Je ne suis pas inquiet, là. Je devrais peut-être. Mais pour ceux qui n'ont pas lu son article sur le Majestic, il faut savoir qu'il a des implants crâniens physiques de trois types différents, EBP, ELF1 et ELF2. C'est des nano-implants qui lui ont été mis une après-midi ou deux successives, dans un atelier particulier, d'une base particulière, avec du personnel particulier. Parce qu'a priori, il en a vu des humains, mais ce n'était peut-être pas forcément ce qui se passait vraiment dans la pièce. Alors, il a eu une séquence d'arrêt des implants ELF. Il a traité ça dans un article. Il y a eu l'activation de souvenirs, de compétences, de personnalités dont il ignorait l'existence. Il ignorait qu'il pouvait être comme ça. Et il y a eu des variations de comportement qui ne peuvent être associées qu'à des inductions radiatives à la suite de radiation. C'est-à-dire un message par DEW, par psychotronique, par code spécial sur une fréquence ELF, extrêmement L, low, et F, fréquence extrêmement basse, ELF. Les technologies dont il a bénéficié, si on peut dire, lui-même, ont été développées et étaient déjà efficaces en 1981. Pardon. Le bouquin que j'ai traduit de Duncan, Robert Duncan, La matrice déchiffrée, The Matrix Deciphered, une vingtaine de vidéos sur ma chaîne. C'était dans ces eaux-là, c'était les années 80 aussi. Donc c'était d'autres Black Projects du même acabit, mais moins en contact évident avec des ITI, hein. La matrice contrôlée de Robert Duncan, et la psychotronie à distance, lecture, écriture dans les cerveaux à distance. Voilà. Pour lui, les technologies ont été développées dans un sous-projet, dans le sous-projet 119 du projet MKUltra. MKUltra, c'est le nom de famille de ce projet. Et a priori, il y en a au moins 119 des sous-projets, hein. À moins que, pour brouiller les pistes, ils donnent des chiffres comme ça, des cotations au hasard. Ça aurait pu être le premier projet qu'ils testent, mais ils l'auraient nommé le 984. Ah oui, évidemment. Donc, dans son article, il nous propose un petit PDF justement sur le sous-projet 119 du programme MKUltra. Il existe une myriade de technologies qui peuvent le faire.
Il y a toutes sortes de sciences et d'opérations tangentielles les concernant. Alors, c'est un article qui va traiter que des côtés qu'on va considérer principaux dans le fonctionnement quotidien continu de ceux qui ont la capacité et l'intérêt de les utiliser. Contexte du contrôle comportemental. L'intérêt américain pour l'interaction hypnotique, EMR, par rayonnement électromagnétique, était fort à partir de 1974, lorsqu'un plan de recherche a été déposé pour développer des techniques utiles chez des volontaires humains. Dans cette enquête, il sera démontré que la parole de l'hypnotiseur peut également être véhiculée par une énergie électromagnétique modulée directement dans les parties subconscientes du cerveau humain. C'est-à-dire sans utiliser de dispositifs techniques pour recevoir ou transcoder les messages, et sans que la personne exposée à une telle influence ait la possibilité de contrôler consciemment l'entrée des informations. Vous vous retrouvez en hypnose, vous ne savez pas pourquoi ni comment. Donc, vous ne savez même pas que vous y êtes, quoi. Hein, à distance. Sans signalement auditif, a priori, clair, quoi. Hein. Ni petite lumière, ni bruit général. Enfin bon, voilà. Vous êtes là, tout va bien, puis d'un coup, vous êtes sous hypnose, vous ne savez pas pourquoi ni comment, mais quelqu'un vous y a mis. Bien que notre ère électronique moderne n'existe que depuis le début de ce siècle, des individus ont affirmé que leurs esprits étaient influencés et contrôlés à distance par des machines pendant au moins 2 siècles. Depuis au moins 2 siècles. Ben, c'est intéressant, 1810. Bon. Murmure, whisper en anglais, est une collection d'histoires de cas de contrôle mental ou de paranoïa qui ont été étudiés et compilés. Donc, il traite encore d'un article, d'un cas. Donc, il est intéressant de noter que l'auteur Dorothy Burdick, dans son livre de 1982, nous décrit de telles choses comme connues, et elle les traite d'harcèlement de son contrôle mental par des ordinateurs via des satellites. Elle nomme Siegel, S-I-E-G-E-L, comme étant l'inventeur d'un appareil nommé Focus. C'est des initiales, ça signifie Flexible Optical Control Unit Simulator. Focus, qui peut projeter des hallucinations directement sur la rétine afin que les sujets ne puissent pas distinguer les images de la réalité. Dans son livre, Tolman affirme que les images sont directement transmises dans son cerveau. Vous voulez donc dire qu'il existe des machines capables d'envoyer des images visuelles directement dans le cerveau? Oui, on veut dire ça. Il a développé les techniques et les systèmes sur des animaux de laboratoire via leurs nerfs optiques. Il suggère que d'autres expérimentations soient conduites sur des nouveaux-nés, des chats, dont la stimulation visuelle totale est contrôlée à partir du moment où ils ouvrent les yeux. Vous savez que pendant les 2 premières semaines, le système visuel des chats n'est pas développé, n'est pas fini, me semble-t-il, raison pour laquelle ils ont les yeux fermés d'ailleurs. Le nôtre non plus, quand on naît, il n'est pas idéal, il doit s'ajuster. C'est-à-dire, au début, vous avez l'impression de voir sous tripe, quoi. Tout doit être déformé. Je vous avouerai que j'ai du mal à me rappeler. Je ne peux pas m'empêcher de dire que là, je suis en train d'imaginer la chose. Ce n'est pas assez précis, quoi, comme souvenir. L'un des scientifiques travaillant sur le projet, Garrett Stanley de l'université Harvard, a prédit des machines avec des interfaces cérébrales. Nous ne pouvons qu'imaginer à quel point une telle technologie a progressé dans les laboratoires de recherche secrets du gouvernement américain et du complexe militaro-industriel.
Et là, on parle des Américains, mais il faut parler de tout le monde, hein. Parler des Russes, parler des Chinois. Les Russes, j'en ai quelques informations, ils le faisaient, oui. Ah, ils couplaient des machines à des médiums pour décupler, pour multiplier, on va dire, leur capacité de télépathie, de remote view, d'influence à distance. Ben, si on commence à influencer votre santé à distance, par exemple, par ce biais-là, vous voyez, ça peut avoir de l'impact dans la stratégie militaire. Ce matin, vous envoyez des messages à un président quelconque, là. Et à midi, il est dans son bunker souterrain, en train de se demander de quel doigt il va se servir pour appuyer sur le bouton rouge. Hein, genre, oh, pas celui-là, je viens de mettre du vernis. C'est pas sec. Projet MK Ultra. Le projet MK Ultra est le nom de code donné à un programme d'expérience sur les sujets humains conçu et réalisé par la CIA, dont certaines étaient illégales. Et tout ce qu'ils ont fait aux États-Unis même était illégal. Ils n'ont pas le droit de travailler aux États-Unis, normalement. C'est la NSA qui peut s'en occuper, mais pas la CIA. La CIA ne doit travailler normalement qu'à l'étranger. Oui. Les expériences sur les humains visaient à développer des procédures et à identifier des drogues telles que le LSD à utiliser lors des interrogatoires afin d'affaiblir l'individu et de forcer les aveux par le lavage du cerveau et la torture psychologique. Le projet a été organisé par l'Office of Scientific Intelligence de la CIA. Je ne vous traduis pas, hein, ça vous paraît. Hein. Intelligence, ça veut dire renseignement, en fait, hein, en anglais, dans ce sens-là. L'Office du renseignement scientifique est coordonné avec les laboratoires de guerre biologique de l'armée américaine. Oh, tiens, ils ont des laboratoires de guerre biologique. Oh, non, il n'y a que One qui doit faire ça. Non, je rigole, je rigole, je rigole. Pourquoi voulez-vous qu'il y en ait un qui s'abstienne de pratiquer ces choses-là, puisque il va y être confronté par les autres. Je ne dis pas que les étrangers ont ce genre d'idée. Moi, je dis qu'il y a des clubs qui sont dans toutes les nations et qui, d'une manière ou d'une autre, vont pratiquer ça, entraînant l'obligation pour les autres nations d'être au niveau. Maintenant, ces clubs-là, par contre, là, je vais aller un peu loin peut-être, mais je vais vous dire qu'ils sont stimulés énergétiquement, entre autres, par des gens qui ne sont plus totalement humains, pour le moins, voire pas du tout, pour le plus. Les autres noms de code pour les expériences liées à la drogue étaient les projets Bluebird. S'il y a Blue dedans, en général, ça concerne une relation avec des ETs. Blue Book, Blue Beam, il y a un contact ZT quelque part. Le projet Artichoke, donc encore un PDF sur les projets MK Ultra en général. MK Ultra ainsi que les projets Bluebird, Artichoke, Chatter, Castigate, MK Delta, MK Naomi, Third Chance, troisième chance, MK Search. Donc recherche sur le MK, MK Often, etc., étaient des projets secrets de la CIA impliquant de nombreux membres et institutions éminents des communautés médicales et scientifiques pour enquêter et expérimenter diverses formes de modification et de contrôle du comportement en utilisant, dans de nombreux cas, des sujets humains involontaires. Involontaires, c'est-à-dire, non, non, c'est pas involontaire, hein. Involontaire, c'est une traduction. Mais bon. On a compris. Il n'est pas volontaire du tout. Bon, c'est des taulards, c'était des malades, c'était des malades psychiatriques, c'était des SDF, c'était enfin voilà, ouais, qui veulent. Il a fonctionné de la fin des années 40 jusqu'au début des années 70, soit 10 ans. Oui, ils ont dit qu'ils ont arrêté le MK en 70. Vous avez un système qui marche, vous allez arrêter, vous? Parce que
En face, ils disent que c'est pas gentil ou que c'est pas moral ou que. Hein? Non, et franchement. Ouais, les humains, peut-être qu'ils disent ça, mais les entités non humaines, elles n'ont pas à se plier à ce genre de configuration morale, hein? Ou amorale, ou immorale. Puis, lorsque le Congrès a commencé à enquêter sur l'activité, le responsable du programme a illégalement détruit tous les dossiers. Il a rassemblé tous les disques et les a tous brûlés. Il l'a fait au mépris direct de la loi. De toute évidence, il y avait des choses très accablantes dans ces dossiers auxquelles le public ne devait jamais être exposé. Et les rares qui restent ne sont que des preuves mineures de l'étendue d'un programme très invasif mené sans surveillance du Congrès contre le peuple américain, et pas que américain. Ah. Essayez d'aborder le sujet dans n'importe quel forum où vous fera mettre en boîte, bafoué ou définitivement interdit. C'est encore du complot des chapeaux en papier d'aluminium. On dit que l'aluminium protège de certaines ondes. Donc, dans deux, trois films, vous voyez les gars avec un chapeau d'aluminium, quoi, hein. Et ça a été vite détourné. Pour se moquer des praticiens de la théorie du complot, dans mon genre, en disant qu'ils étaient maboules, nous ridiculisant alors que nous étions les seuls à nous y connaître suffisamment pour comprendre ce qui se passait et comment contrer ce qui se passait. Bon, d'un autre côté, je vous avouerai que l'aluminium, ce n'est pas idéal, hein, mais ça peut avoir un effet contre certaines des ondes. Certaines. Malheureusement, pas toutes. Et puis un jour, un tas de cartons de documents du projet MKUltra ont été découverts. Tout n'avait pas été brûlé. Pardon. Excusez-moi. Alors, il y a DDD, Douglas Duane Dietrich, qui a fait pas mal de vidéos à une époque. Parce que c'était un des employés utilisés pour cramer tous les documents. Et pour être sûr qu'il cramait les bons documents, il devait les lire. Et donc aujourd'hui, il parle de ce qu'il a lu dans ses documents. Bon, le personnage est particulier, il a des données particulières, mais il a des infos qui me semblent contredire d'autres événements, parfois de manière... d'autres événements qu'on a traduits autrement, nous. Pour Oswald, par exemple, qu'est-ce qui s'est passé, qui, quoi, comment. Et sa version à lui ne me paraît pas... Ça me paraît de la désinformation. En fait, ça nie l'existence de ZT à Roswell. Pour lui, les ZT récupérés lors des crashs, c'était des petits nains japonais. Hypertrophié du crâne, enfin bon, hein, des petits personnages au crâne hypertrophié, au lieu de dire que c'est un petit gris, il va dire que c'est un nain japonais. Texté, blablabla. Non, c'était pas un nain japonais, les autopsies ont montré qu'il n'avait rien d'humain, mais bon, c'est pas le sujet. Ça n'empêche pas. Peut-être bien que DDD, est en train de suivre, malgré lui, un programme de désinformation, des opérations psychologiques de contre-information de la CIA ou d'un autre organisme, du MJ-12. C'est fait exprès qu'il parle de tout ce qu'il a vécu, tout ce qu'on lui a fait faire. Parce qu'on lui a fait faire des trucs qui ne tenaient pas debout, ou on lui a fait lire des documents qui, aujourd'hui, servent à entretenir le flou, les informations contradictoires, vous voyez? Et faire en sorte qu'on ait du mal à savoir ce qui s'est vraiment passé. Notre récente découverte de cette boîte de documents liés au projet MKUltra, le projet de la CIA, est étroitement tenu, mené de 53 à 64. Donc, MKUltra, c'est le nom général. Donc, là, il y a encore un PDF sur cette découverte des documents du MKUltra.
Niché à la page 89 d'un 15e volume auxiliaire se trouvent quelques aperçus époustouflants du futur couplage de l'homme et de la machine dans une section traitant du contrôle des processus biologiques. L'auteur fait référence à une explosion des connaissances dans le domaine des neurosciences, ajoutant de façon inquiétante « On peut envisager le développement de sources d'énergie électromagnétique dont la sortie peut être pulsée, façonnée, focalisée, qui peuvent se coupler avec le corps humain d'une manière qui permettra d'empêcher les mouvements musculaires volontaires, ça vous paralyse, de contrôler les émotions et donc les actions, de produire du sommeil, de transmettre des suggestions, d'interférer avec la mémoire à court et à long terme et de produire un ensemble d'expériences ou de supprimer un ensemble d'expériences. Traduire les mots « expérience » du jargon militaire en anglais simple signifie qu'ils envisagent la possibilité d'effacer les souvenirs de votre vie et d'y substituer des mémoires écrans à un ensemble fictif de mémoires. Et c'était un programme qu'ils avaient appelé « New Vistas ». Eh oui, il y a bien eu un programme Internet aussi dans Microsoft Vista. Windows Vista. La révolution dans les affaires militaires et les conflits sans guerre. Alors, un scénario futuriste similaire avec de nombreuses références à la manipulation mentale est décrit dans The Revolution in Military Affairs and Conflict Short of War, sorti de l'US Collège de guerre américain de l'armée. De 1994. Les auteurs, Metz et Kivit, déclarent la modification du comportement est un élément clé de l'imposition de la paix. C'est eux qui disent ça. C'est pas grave. Et l'avantage d'utiliser les systèmes d'énergie dirigés est le déni. Comme les DEW, les armes à énergie dirigées, sont invisibles, il vous arrive des trucs, mais vous n'avez pas la preuve que vous en connaissez la cause. Les auteurs demandent, contre qui vise un tel déni? Ben évidemment, contre les peuples. Se déroulant en 2010, Metz et Kivit parlent de moulage de la perception et de psychotechnologies avancées pour éviter une protestation publique énervante. Mais bon, ce n'est que le début. Le principal obstacle, d'après eux, est l'éthique américaine traditionnelle. Pas qu'américaine, donc, hein, évidemment. Vous imaginez? Ça attribue à des gens qui se sont octroyés par des manières parfois et même souvent reprochables des postes dans un système de club et de milieu technologique tel qu'ils ont le pouvoir sur votre vie de telle manière qu'ils peuvent manipuler vos mémoires, ils peuvent vous faire que ben, vous êtes leur fils si vous voulez, vous voyez, ou leur fille. Ils peuvent vous prendre, vous faire vous réveiller le matin dans le lit de quelqu'un d'autre, dont votre mémoire, vous faire croire que c'est votre conjoint depuis des années et des années. Et vous auriez même des souvenirs communs qui remontent à votre petite enfance. Tout ça bâti pièce par pièce dans votre cerveau par une machine durant la nuit. Et oui, oui, oui. Les notions démodées de la vie privée et de la souveraineté nationale doivent être changées. Alors, ça, le prétexte, c'est pour entretenir la paix, et l'idée, c'est que c'est eux qui vont diriger tout ça. Hein. Ça va être sous leur contrôle. Hein. C'est eux les chefs, une fois de plus. En cas, il y a plein de programmes spatiaux secrets mondiaux, là, et c'est toujours sous l'égide des Américains. On a Michael Sala qui nous fait des petits exposés là-dessus.
Et pour lui, il n'y a aucun problème, il y a même un contrôle américain de la zone soviétique, asiatique, africaine, européenne. Tous les programmes spatiaux sont censés être sous le contrôle US. Non mais on plane là, je ne sais pas si vous vous rendez compte, on plane, j'espère qu'on plane. Il y a 200 ans de conflit depuis la création des États-Unis, il y a plus de 50 false flags qui ont débuté ces conflits. Actuellement, ils sont impliqués dans 70 conflits, dont officiels, et une cinquantaine de conflits non officiels, les troupes américaines, discrètes de la CIA et autres, enfin bon, tout ce qui va avec, des retournements de gouvernement, enfin, tout ce que vous voulez. Donc ça, c'est des chiffres qui datent d'il y a presque une dizaine d'années. Dans une telle situation, vous avez supporté que ces gens-là se prennent pour des chefs et vous dirigent? Ces menteurs, tricheurs, voleurs, tueurs, malsains, infiltrés, mais qui voudrait, qui tolérerait ça? Alors évidemment qu'il est nécessaire pour eux de faire en sorte que notre caractère, nos cerveaux trouvent cette idée tout à fait normale. Bah oui, évidemment. Bon, s'ils m'ont fait une séance cette nuit, là, de contrôle à distance, ça a marché. Non, ça n'a pas marché. Le futur, tel qu'il nous le présente, sonne comme un mélange de 1984 de George Orwell et du film Matrix et de plein d'autres. Les individus qui ne veulent pas accepter les changements révolutionnaires sont identifiés à l'aide de bases de données intégrées entre les agences. Un Al-Qaïda inter-service. Bon, Al-Qaïda, ça veut dire la base de données. Ils sont ensuite catégorisés, fichier S, allez hop, pif, paf, S1, S2, S3 ou S+, bon. Et des simulations de personnalités informatisées sophistiquées seront utilisées pour développer, adapter et cibler des campagnes psychologiques pour chacun. Voyez, là, le traitement médicalo-psychologique est adapté à chacun d'entre nous. Tandis que dans d'autres cas, médicalement parlant toujours, non, c'est un seul traitement pour tout le monde. Ah, ben oui, c'est même la même dose, que vous fassiez 80 kilos ou 50 ou 120. Bon, écoutez, hein, vous avez compris que si on les écoute, on ne va pas s'en sortir. D'autres techniques à utiliser en association avec ces nouvelles armes mentales incluent le morphing, une capacité actuelle qui contrôle la distorsion des images télévisées. Ne touchez pas au réglage de votre poste de télévision. Nous avons pris le contrôle. Vous êtes maintenant dans la cinquième dimension. Alors, je parle de la série télévisée, hein, pas de la cinquième dimension, version New Age, dans laquelle il y a des gens qui espèrent arriver, alors que normalement, hein, je ne sais pas, en toute logique, normalement, étant donné que nous sommes multidimensionnels avec nos différents corps subtils, il y en a un d'entre eux qui est déjà dans la cinquième dimension. Dans la quatrième, dans la cinquième, dans la sixième et peut-être même septième, si affinité, si vous avez travaillé l'affaire, si tout ça, quoi, hein. Mais sinon, les trois premières dimensions sont occupées par nos corps qui se sont développés au fur et à mesure de notre évolution, depuis notre enfance, adolescence, jusqu'au moment de notre maturité. Maturité qui vient plutôt plus ou moins tard, hein. Plus ou moins tôt, moi je dirais plus ou moins tard. Et bien, vu que là aujourd'hui, quelle que soit la moyenne d'âge de la population, elle se comporte comme des enfants. Hein, pas la maturité. Ou peut-être qu'elle avait la maturité, mais qu'il y a eu un contrôle mental général. Ouais, ça aussi, moi je suis assez partisan du fait qu'il doit y avoir une petite intervention à ce niveau-là quand même. Ne serait-ce que par les chemtrails, l'aluminium, ça fait baisser le QI, un peu de lithium, ça vous assouplit le caractère, tel truc, tel truc, tel truc, plus telle fréquence par harpe ou d'autres armes psychotroniques. Et puis, ils savent moduler votre humeur.
Donc, si vous avez la chance de ne pas avoir votre cerveau brouillé ou effacé électroniquement, les médias d'information électroniques seront manipulés spécialement pour vous. Pour vous spécialement, un par un. Là, ils savent bien qu'on n'est pas tous pareils. Que chacun réagit différemment, chacun a des bases différentes. Là, ils savent bien, vous voyez. Donc, je fais le petit comparatif avec la campagne actuelle de sproutage de graphène. Et il présentera des images télévisuelles, des images visuelles convaincantes, proches de la réalité, via votre interface TV combinée à Internet. Paragraphe sur les sons silencieux. C'est marrant, hein, comme titre, ça. La technologie Silent Sound Spread Spectrum, SSSS, également connu sous le nom de S-Quad, a été développée par le docteur Oliver Lowery de Géorgie aux États-Unis et décrite dans le brevet américain numéro 559703 sous le nom de Silent Subliminal Presentation System. L'abrégé du brevet se lit tel que « Système de communication silencieux dans lequel des ondes porteuses non audibles dans la gamme des fréquences audio très basses ou très élevées ou dans le spectre de fréquences ultrasonores adjacents seront modulées en amplitude et en fréquence avec l'intelligence souhaitée ou avec les renseignements souhaités, contenant les renseignements souhaités, et se propagent de manière acoustique ou vibratoire pour être induites dans le cerveau, généralement grâce à l'utilisation de haut-parleurs, d'écouteurs ou de transducteurs piézoélectriques. » Les transducteurs, ça c'est les petits implants qu'on vous met sous la peau ou dans le crâne. Les porteuses modulées, les ondes porteuses modulées, peuvent être transmises directement en temps réel ou peuvent être commodément enregistrées et stockées sur des supports mécaniques, magnétiques ou optiques pour une transmission retardée ou répétée à l'auditeur. Je vous laisse détailler ce que ça signifie. Bon, ben, je suis obligé d'imaginer, hein, parce que moi, je ne connais pas le système. Hein. Mais on peut imaginer qu'à chaque fois que vous passez votre porte, vous avez un message subliminal qui vous traverse l'esprit. Si on a truqué votre appartement. Où que vous soyez, régulièrement, vous êtes programmé pour recevoir une onde radio qui vous touche, vous, en ciblant votre implant particulier qui est répertorié, puisqu'il ne vient pas de chez vous, l'implant, hein, il vient de chez eux. Qui que ce soit, eux. Selon la littérature de Silent Sound, Inc., donc l'entreprise qui s'appelle Silent Sound, il est désormais possible, à l'aide de superordinateurs, d'analyser les schémas électroencéphalogrammes émotionnels humains et de les reproduire. Ils veulent me décrédibiliser. Ils prennent le petit passage où je pars en fou rire hystérique, nerveux, sardonique, et ils me le font reproduire quand ils veulent, à contre-mesure, si on peut dire, à contre-effet. Ce qui fait que ma vidéo ne ressemble à plus rien à la fin, quoi. On dit, ouais, il rigole tout le temps de n'importe quoi, il n'y a pas de boue, il est fanfreluche. Et moi, on peut me donner l'impression que j'ai fait une vidéo impeccable. Et vous, s'ils veulent, en plus, ils peuvent vous mettre dans l'état d'esprit de soit vous admirez ça, soit vous êtes encore plus que lucide et vous trouvez ça lamentable. Mais s'ils veulent, ils peuvent me faire dire n'importe quoi et me faire multiplier mes abonnés. D'ailleurs, on est à 4040. On est en 404. On est passé de la 403 à la 404. Bon, après, il faut passer à 504 chez moi, hein, dans mon itinéraire Peugeot. Oui, je suis passé à la 104 aussi, entre deux, mais bon, c'est pas grave. Je ne me rappelle plus à quelle époque. En 91, je dirais. Bon. Alors, ils peuvent donc récupérer vos émotions,
le code de votre de vos émotions, si on peut dire, le code, la fréquence, tout ça. Ils peuvent ensuite stocker ces groupes de signatures émotionnelles sur un autre ordinateur. Et après, à volonté, on peut induire et changer silencieusement l'état émotionnel d'un être humain. Oh, mais avec ça, moi, je vous fais pleurer le président en plein discours de, de nouvelle année. Hein, on vous fait n'importe quoi. Hein. C'est... Donc, dans Nexus, un excellent magazine quand même, d'octobre-novembre 1990, Silent Sound Inc., c'est-à-dire l'entreprise Silent Sound, déclare qu'il ne s'intéresse qu'aux émotions positives. Mais l'armée n'est pas si limitée. Il est évident qu'il s'agit d'un projet du département américain de la Défense. En 1996, il était dit « Tous les schémas ont été classés par le gouvernement américain et nous ne sommes pas autorisés à révéler les détails exacts. Nous fabriquons des cassettes et des CD pour le gouvernement allemand et même les pays de l'ex-Union soviétique. Le tout avec la permission du département d'État d'Américain, bien sûr. Le système a été utilisé avec succès tout au long de l'opération Desert Storm, tempête du désert, en Irak. 92, je crois, hein, ou plus tard, celle-là, tempête du désert, c'était quand? Moi, je crois que c'était en 92. En utilisant ces électroencéphalogrammes, EEG, améliorés par ordinateur, les scientifiques peuvent identifier isoler des groupes de signatures émotionnelles de faibles amplitudes du cerveau, les synthétiser, les stocker sur un autre ordinateur. En d'autres termes, en étudiant les modèles d'ondes cérébrales caractéristiques subtiles qui se produisent lorsqu'un sujet éprouve une émotion particulière, les scientifiques ont pu identifier le modèle d'ondes cérébrales concomitant et peuvent désormais le dupliquer. Ces clusters sont ensuite placés sur les fréquences porteuses du Silent Sound et déclencheront silencieusement l'apparition de la même émotion de base chez un autre être humain. Ben, si en plus ils prennent cette fréquence de rire hystérique, ils peuvent vous la mettre à vous. Mais demain, en plus, je suis dans la rue, je vais manifester. Et je suis triste, je n'ai pas trop la pêche. Ben, ils prennent mon émotion et ils peuvent la répartir sur tout le groupe qui m'entoure. Et au bout d'un quart d'heure, la manif, elle s'est dispersée, on est rentré chez nous à boire un coup. Ah, je me disais, il y avait du retard. Bien, donc, supposons que vous teniez votre animal de compagnie bien aimé, que vous l'alimentiez, vous vous sentez détendu, satisfait. Eh bien, votre cerveau peut être... imaginer et un instantané, scanner. Et un instantané de vos sentiments peut être enregistré. C'est ce qu'on appelle un cluster de signatures émotionnelles. Et les États-Unis ont toute une bibliothèque qu'ils peuvent identifier et imposer aux autres. Ça peut être ce sentiment maternel. Je cherche le nom de l'hormone qui déclenche ça. Je cherche le nom de l'hormone féminine qui se déclenche chez la maman qui allaite son bébé et qui lui procure un réconfort émotionnel. La met en état. Ouais, ouais. Cette notion d'amour maternel, il y en a une partie qui est sous-tendue par la chimie. Alors, de la même manière, on peut induire enregistrer et induire par la suite une rage et une colère aveugle et incontrôlable. La faim, un confort apaisant et calme, donc. L'amour, ah oui, oui. Et là, vous regardez tous les travaux de Eve Lorgan sur le baiser de Cupidon, la morsure de Cupidon. Oui, ce sont essentiellement des entités parallèles là, du bas astral ou d'un astral quelconque qui provoquent chez deux personnes un coup de foudre et jouissent à toutes les étapes de leur relation future puis passée. Profitent à chacune des étapes donc du débordement énergétique qui vont intervenir, des débordements énergétiques,
Ben, vous allez avoir la passion, puis après, vous allez avoir les tensions, puis après, vous allez avoir les disputes, les violences potentielles, hein, pas forcément, hein, ou le désespoir, la tristesse, la mélancolie. C'est... Voilà, vous allez avoir tout ça. Et tout ce qui va en dérouler, je veux dire, vous avez le blues, vous taquinez le whisky, hop, encore plus d'ouverture dans votre champ informationnel, énergétique, encore plus de possibilités pour les entités en question, non seulement de se nourrir, mais de vous implanter quelque part. Enfin bon, toute une tête. Donc, on peut aussi stimuler l'attrait et l'intérêt, l'orgasme, voire l'éjaculation, l'engouement pour l'autre, des comportements de troubles obsessionnels compulsifs, les TOC, des douleurs à l'estomac ou au système digestif, l'excitation extrême et le désir de sexe, le manque de quelque chose ou de quelqu'un, le mal de tête, le sentiment de perte et de deuil. Ça, c'est particulier, hein, en plus, hein. L'abandon, quoi, quelque part là. Ouais, le deuil. Quelle est la réalité qui sous-tend le deuil? Dans quel pourcentage les gens qui pleurent la perte de quelqu'un pleurent vraiment le fait que ce quelqu'un est parti et n'a pas pu en réaliser sa vie ou quoi que ce soit, un projet ou quoi? Dans quelle mesure est-ce que les gens en fait ne pleurent pas le fait qu'eux-mêmes n'ont plus accès à cette personne? C'est à eux qu'elle manque. C'est pas aux autres. C'est pas. Voyez, vous pleurez la perte de quelqu'un, pas sa mort. Hein? Pas tout le monde, hein, et puis pas tout le temps. Mais y a un passage dans le deuil qui concerne ce domaine-là. Donc, cette technologie a été utilisée sur Metallic Man lors de ses opérations dans le Majestic. Et ils peuvent vous dire qu'ils l'ont utilisée parce que tout son cluster de signatures émotionnelles avait été scanné et enregistré dans des bases NAMI, à NAS, à NASC, à Pensacola, en Floride, en 81. Cette technologie pourrait être également appliquée au grand public, mais je ne pense pas que ce soit le cas. Mais faux, wrong. C'est le cas, la matrice déchiffrée, Robert Duncan, il a contribué à la fabrication de la machine qui sert à scanner, reproduire et envoyer alors, les clusters émotionnels. Donc, voilà. Et puis, je vous ai déjà dit qu'il y avait 40 nations américaines qui étaient en contrat avec Lockheed Martin. À un niveau de contrôle mental, de contrôle des populations, contrôle mental des populations. Donc, c'est secret, hein, les Américains ne sont pas au courant en général de ça. Hein. À moins qu'ils fréquentent, par exemple, le site de Deborah Tavares qui se nomme stopthecrime.net.new. Donc, entre autres, ou ben, Robert Duncan, ou les enquêtes. De cet ancien député catcheur, Marines, voilà, ou enfin, voilà, d'autres sites qui traitent justement de tout ça. Hein. À moins que les choses n'aient changé, il existe de meilleures technologies pour induire le regroupement de troupeaux humains par des moyens électromagnétiques. Il existe de meilleures technologies pour induire le regroupement de troupeaux humains par des moyens électromagnétiques. Cette technologie, Silent Sound, est particulièrement utile pour les personnes spécifiquement ciblées, les TI, les Targeted Individuals, les victimes de psychotroniques. Donc, encore un PDF à propos de ces Silent Sounds. Donc, tous ces PDF-là, vous pouvez y accéder, vous allez sur la page, vous aurez l'adresse, mais ils sont en anglais. Donc, après, vous faites des copier-coller ou des traductions, mais ça prend du temps, ça prend beaucoup de temps, mais vous arrivez à vos fins. Avec une certaine sécurité dans la traduction. Alors, si vous n'avez pas confiance, vous pouvez traduire par plusieurs traducteurs. Ou vous attendez que j'en fasse une vidéo, mais alors là, comptez pas trop dessus parce que bon, je suis pas prêt de me taper des milliers d'articles à tous ces. Enfin, ouais, je l'ai fait, mais voilà, bon. Je ne veux pas en faire une ligne de conduite,
comment dire, un contrat de travail. Je veux pouvoir continuer à vous donner ces informations-là au gré de mon envie, des événements, de ce qui s'est passé, ce sur quoi j'ai surfé au hasard, quoi. Je ne veux pas me forcer à potasser les sujets dont, au bout d'un certain temps, il y a une certaine saturation nerveuse qui accompagne l'acquisition de toutes ces informations dépressives, hein. Ce n'est pas cool d'apprendre qu'ils ont tous les moyens de nous martyriser, de nous manipuler, de transformer nos mémoires, nous faire croire, entendre, voir des trucs qui n'existent pas vraiment et qui vont nous faire réagir de manière différente. Ce n'est pas vraiment amusant, hein, n'est-ce pas? C'est très intéressant, mais bon, donc au bout d'un certain temps, moi j'ai besoin, et je vous suggère d'en faire quand même autant, de prendre des vacances mentales. Changer de sujet, en tout cas. Et bon, dans ces cas-là, évidemment, thérapeutiquement parlant, mais pas que, on va plutôt aller vers des sujets qui décrivent le bon côté du monde. Comment soigner avec des cristaux, comment entretenir son jardin avec les bioénergies, comment, voyez, des choses, comment guérir de tout à partir de l'alimentation, de la respiration, des yogas mentaux. Ah, en quart, j'ai repris deux, trois commentaires là, de gens qui pensent que je dois fumer des trucs bizarres, hein, parce qu'ils ne doivent pas connaître les autres façons de rouler des cigarettes que celles adoptées par les cigarettiers habituels. Alors, quand vous avez une cigarette dont le filtre n'est pas en couleur orange, ah, qu'est-ce qu'il fume, qu'est-ce qu'il fume? Non, non, non. C'est du tabac que je roule dans du grand papier avec des longs filtres. Voilà. Pour de multiples raisons, que si ça vous intéresse, je pourrais vous détailler un de ces quatre, mais bon, ce n'est pas le sujet du tout. Passons maintenant, ah ben, pas tout de suite, maintenant il semble y avoir des éléments de contrôle des foules humaines qui ont lieu partout aux États-Unis, et pas que. Au lieu de la technologie Silent Sound, il existe d'autres candidats, pardon, mieux adaptés pour ce genre d'activité d'élevage aveugle. La télépathie synthétique, waouh, waouh. Nous, avec les super soldats et tout ça, on en parle depuis 10 ans. Mais le public, la télépathie synthétique, c'est un terme utilisé pour décrire l'envoi de mots, de pensées ou d'idées dans l'esprit d'une personne, tout simplement. Ben, c'est comme la télépathie, mais sauf que là, c'est fait avec une machine, a priori. Ça se fait par un type d'émetteur électromagnétique similaire à une émission de radio ou de télévision fonctionnant dans la bande de fréquence des micro-ondes. Des micro-ondes. Vous voulez dire comme la gorillée? Gorillée. La chimpanzé? Non. Chimpanzé. Ah, la 5G. Petit PDF sur la télépathie synthétique, techniquement parlant. Ces dernières années, des milliers de personnes se sont déclarées victimes de cette technologie. Mais bon, il n'y a pas de preuves académiques en raison de la nature hautement secrète de la recherche. Puis même s'il y en avait, le papier, il reste 3 semaines. Il est édité, il reste 3 semaines en ligne ou dans les librairies, puis il disparaît. Il disparaît de toutes les librairies. Tous les bouquins se font racheter des fois. Un auteur, là, il dit, ouais, je sens un sujet incroyable, on va révolutionner la conscience politique du monde. Son bouquin, au bout d'une semaine, on n'en trouve plus un exemplaire où que ce soit. Ils ont tous été rachetés, récupérés et passés au pilon, évidemment. Passer au pilon, ça veut dire qu'on détruit le livre pour en refaire de la pâte à papier, normalement. En 61, Alan Fry, biophysicien indépendant et psychologue en génie, de génie, a rapporté qu'un humain peut entendre les micro-ondes. Vous savez, il y avait des gens qui disaient « j'entends la radio avec mes plombages ». Ben, ils n'étaient pas loin d'avoir raison. Cependant, cette découverte a été rejetée par la plupart des scientifiques américains comme étant le résultat d'un artefact, un bruit extérieur. Bon, évidemment, les gens qui n'y croient pas, de toute façon, ils dénient, ils s'intéressent pas à la chose et ils dénient. Mais... C'est des nouveaux trucs, ils sont censés connaître. C'est des nouveaux trucs qu'on amène à la connaissance même des anciens et des pères. Et il faudrait qu'eux, comment voulez-vous qu'ils l'admettent, puisqu'ils ne connaissent pas.
Et chez eux, dans leur état d'esprit, aujourd'hui, on constate qu'ils sont pas, ils ont plus l'esprit scientifique de curiosité, d'ouverture et de recherche. Ils y croient pas, ils y croient pas. On ne lit pas le papier, on le verra, vous n'êtes pas publié. Et des fois, vous êtes publié parce que ça va dans le sens du consensus, allègrement, et que c'est faux depuis des années. Voir par exemple les notions qui pourraient entourer l'arnaque pastorale. Il s'avère que Frey a découvert que les sujets humains exposés à des micro-ondes de 1310 MHz et 2982 MHz à des intensités de puissance moyenne de 0,4 à 2 milliwatts par centimètre carré percevaient des sensations auditives décrites comme des bourdonnements ou des cognements, également décrits comme des clics ou des bips. Les densités de puissance de crête étaient de l'ordre de 200 à 300 milliwatts par centimètre carré et les fréquences de répétition des impulsions variaient de 200 à 400 Hz. Frey a appelé ce phénomène auditif le son RF de radiofréquence. La sensation s'est produite instantanément à des densités de puissance incidente moyenne bien inférieures à celles nécessaires pour les dommages biologiques connus et semblait provenir de l'intérieur ou de près de l'arrière de la tête. Des tests supplémentaires ont révélé que deux conditions étaient nécessaires pour que le sujet entende le bruit induit par les micro-ondes, une bonne conduction osseuse, pardon, osseuse, et la capacité d'entendre l'énergie acoustique au-dessus des 5 kHz. En 1975 commence l'introduction d'un article de A.W. Guy et d'autres, disant l'un des effets biologiques les plus largement observés et acceptés de l'énergie électromagnétique de faible puissance moyenne est la sensation auditive évoquée chez l'homme lorsqu'il est exposé à des micro-ondes pulsées. Aujourd'hui, l'utilisation de la télépathie synthétique par le gouvernement américain a été décrite dans le numéro d'octobre-novembre 1994 de Nexus. Les armes à énergie dirigée actuellement développées comprennent par exemple une arme à micro-ondes fabriquée par Lockheed Sanders. Et tout à l'heure, je vous parlais du contrat avec Lockheed Martin et des 40 États américains. C'est peut-être une sous-boîte, une sous-traitance Lockheed Sanders, hein, en fait. Et utilisée pour un processus connu sous le nom de synthèse vocale, qui consiste à transmettre à distance des signaux audio, c'est-à-dire des voix ou d'autres signaux audibles, directement dans le cerveau de toute cible humaine sélectionnée. Ce processus est également connu au sein du gouvernement américain sous le nom de télépathie synthétique, encore un petit PDF, le zapping des micro-ondes. Une grande partie du travail effectué sur les micro-ondes a été développée par le projet Pandora, mis en place par le DARPA, non par l'ARPA. Pardon, excusez-moi. Donc, à cette époque-là, ce n'était pas encore le Defense Advanced Research Project Agency. Là, en fait. Donc, c'était le ARPA. Et aujourd'hui, vous avez le YARPA, qui concerne les mêmes guerres, mais au niveau cyber. Et eux, plus les nanos, plus la génétique. Aïe, aïe. Ben, je trouve d'ailleurs en plus qu'ils sont en train de préparer le terrain humain en ce moment par l'ensemencement de nombreux produits qu'on assimile et qui finissent par devenir les implants ou les sondes dans les victimes. Il a été initialement mis en place pour étudier les effets des micro-ondes qui étaient transmises à l'ambassade américaine à Moscou par l'Union soviétique, oui, qui avait micro-ondé l'ambassade. Mais les Américains ont micro-ondé les peuples aussi, ils ont micro-ondé des mouvements de grève féminins aux États-Unis même ou au Canada, ils ont micro-ondé des étudiants. Et actuellement, dernièrement, à Cuba, il y a eu aussi de nouveau des problèmes justement de sifflement, de maux de tête et voire de décès parfois, hein, suite à l'exposition à des ondes. Mais on se demande si ce n'est pas les Chinois. Ouais, c'est sûr. Ben, ça dépend de la politique générale pour trouver un coupable, en fait, du mouvement actuel, contemporain de politique générale. Certaines des découvertes scientifiques impliquées dans le sujet, le programme Pandora, sont assez troublantes. Le docteur Joseph C. Sharp et l'ingénieur Mark Grove
ont pu entendre et distinguer des mots d'une syllabe par des micro-ondes modulées par impulsion. Ces micro-ondes peuvent également altérer la perméabilité de la barrière hémato-encéphalique du corps. Cette caractéristique peut augmenter de manière synergique les effets des médicaments. Les micro-ondes peuvent également altérer la perméabilité de la barrière hémato-encéphalique du corps. Cette caractéristique peut augmenter de manière synergique les effets des médicaments. Les micro-ondes peuvent également altérer la... Mais enfin, c'est ce qu'on dit depuis 10 ans avec les téléphones portables qui bousillent la barrière hémato-encéphalique justement et permettent aux molécules d'hémoglobine de transporter l'aluminium jusque dans le cerveau, créant le terrain favorable au développement, par exemple, d'Alzheimer. Mais actuellement, il y a d'autres produits qui peuvent passer donc cette barrière-là. Vous savez, il y a d'autres produits en ce moment. Je suppose que ça va bientôt être un mot interdit, mais tel que le graphène, quoi. En utilisant des RFF, non, des RFR, radiofréquence, R, je ne sais pas quoi d'autre, de niveau relativement bas, il peut être possible de sensibiliser de grands groupes militaires à des quantités extrêmement dispersées d'agents biologiques ou chimiques contre lesquels la population non irradiée serait immunisée, elle. Est-ce que si je répète aussi 3 fois, de plus en plus bêtement, ce paragraphe-là, ou le temps de rallumer ma clope, ça vous laissera le temps d'y réfléchir. Vous vous rendez compte ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ils balancent un agent toxique dans l'air, ils irradient une zone du territoire, cette zone-là va être d'autant plus sensible à l'agent qu'ils ont dispersé dans l'atmosphère ou autrement. Vous pouvez balancer ça sur un territoire, balancer les fréquences, faire donc que toute la population soit touchée. Et puis, au moment où vous envahissez, vous arrêtez les fréquences dont vous inondez le territoire, ce qui fait que vos troupes sont immunisées. Les gens aussi sont immunisés, mais c'est trop tard, ils sont malades. Ils sont immunisés. Ils sont plus sensibles, mais c'est trop tard, ils ont été touchés. Oui, c'est sournois. Hein. Ah, ben moi, il y en a qui vont sûrement regretter de ne pas... de pas avoir supporté mes petits encarts à l'époque. Mais je suis très content hein, parce que j'aimerais pas faire ça. Le son peut être transmis encore plus facilement grâce à l'utilisation d'implants. Comme les fans de Rush Limbaugh, comment ils doivent prononcer ça ? Limbaugh, peuvent en témoigner, les implants cochléaires, c'est-à-dire auditifs, les implants qui envoient des signaux électriques dans le fluide de l'oreille interne, peuvent transmettre efficacement les sons. De plus, les implants qui transmettent des vibrations sonores par conduction osseuse, comme les obturations dentaires captant des signaux radio audibles. Obturations dentaires, donc les plombages à l'époque, quoi, hein, les amalgames. Plombage dans lequel il y avait moitié mercure, moitié plomb. Alors, l'or, c'est trop cher. Hein. Alors, autant vous mettre ça. Et puis, en plus, provoquer chez vous un tel état d'intoxication que vous allez finir par devenir client de Big Pharma à longue échéance. Ah oui, faites-vous enlever tous ces anciens plombages. Alors, hein. Mais dans des conditions particulières. Avec chélation accompagnante, avec personnel protégé, aspiration, ventilation particulière, enfin, c'est du boulot hein, à faire. Hein. Sinon, vous mettez ces produits-là dans l'atmosphère et tout le monde les capte. Et ben, ce n'est pas très intelligent. Quoi, hein. Le stimo-saver implanté, inventé par le docteur José Delgado, constitue un des fils reliant des points stratégiques du cerveau à un récepteur émetteur radio situé entièrement sous la peau. Grâce à cet appareil, Delgado a pu stimuler des émotions brutes telles que l'excitation sexuelle, l'anxiété, l'agressivité, en tournant un bouton. Vous vous rappelez cette bande dessinée de Milo Manara, je crois ?
Bien sûr, les recherches secrètes du gouvernement américain sur les micro-ondes et la télépathie synthétique ont été considérablement évoluées depuis les années 80. Et oui, surtout avec le couplage d'autres disciplines telles que l'intelligence artificielle et autres, les nanotechnologies, etc. Mike Vaid, un candidat mandchou. Un candidat mandchou, ce sont donc des gens qui ont été programmés avec une double personnalité que l'on peut déclencher quand on veut, alors qu'ils se sont introduits, infiltrés malgré eux, en bonne conscience, hein, ils ne le savent pas, dans un système quelconque dont les gens voulaient prendre le contrôle quelque part ou pouvoir influencer à un moment donné. Parmi les nombreux instruments de télémétrie utilisés aujourd'hui, on trouve des émetteurs radio miniatures qui peuvent être avalés, portés à l'intérieur, portés à l'extérieur ou implantés chirurgicalement. Ils permettent l'étude simultanée du comportement et du fonctionnement physiologique. Donc ça, c'était le docteur Stuart McKay, spécialiste de télémétrie biomédicale en 1968, enfin, qui a écrit un bouquin là-dessus. Alors qu'il rendait visite à des amis à Decatur, dans le Michigan, Timothy McVeigh, excusez-moi, s'est plaint que l'armée lui avait implanté une puce électronique. Il a dit que c'était un transpondeur sous-cutané miniature afin qu'il puisse le suivre. Il s'est plaint que ça lui faisait une cicatrice inexpliquée sur les fesses et qu'il lui faisait du mal pour s'asseoir. Bien sûr, nous savons tous que McVeigh a été reconnu coupable de l'attentat à la bombe de 1995 contre un bâtiment du gouvernement américain à Oklahoma City. Oui, alors encore. Lui, il a été reconnu coupable, tout ça, mais quand on a fait des remote views sur l'affaire, il y avait trois équipes différentes sur place. Il y avait trois équipes différentes. Il y avait lui et deux autres équipes de domaines différents. Donc, ben, imaginez de la CIA et du FBI ou un truc dans le genre, hein, imaginez. Et McVeigh. Alors. En plus, moi, je trouve que la découpe du bâtiment vue du dessus ressemblerait pas mal à deux coups d'armes à énergie dirigée, mais je ne suis pas sûr qu'on ait trouvé vraiment tous les mêmes nanopoussières de 80 micromètres de diamètre comme à la suite du 11 septembre. Bon, de toute façon, ça doit dépendre un petit peu de la fréquence qu'ils envoient hein, aussi, ça. La taille des particules à la fin. Donc en fait, c'était encore des tests comme pour une bombeur, a priori, des tests faits par une agence ultra secrète du gouvernement pour voir s'ils pouvaient manipuler quelqu'un et l'amener de toute manière à créer dans le pays même un attentat qui provoque des émois plutôt au niveau politique et oriente finalement le résultat des élections en général. La télémétrie miniaturisée fait partie d'un projet en cours de l'armée et des diverses agences de renseignement pour tester l'efficacité du suivi des soldats sur le champ de bataille. Le dispositif télémétrique implantable miniature a été déclassifié il y a longtemps. Selon le docteur Carl Sanders, le développeur de la biopuce intelligente Manned Interface, IMI, nous l'avons utilisé avec du personnel militaire pendant la guerre en Irak, où ils ont en fait été suivis à l'aide de ce type d'appareil particulier. Il est également intéressant de noter que le Calspan Advanced Technology Center à Buffalo, où McVeigh a travaillé, est engagé dans l'ingénierie électronique microscopique du type applicable à la télémétrie, de la même manière que le docteur Lieber était spécialiste de microbiologie et de nanotechnologie, et travaillait financé par Harvard. Entre le BSL-4 de Canada et Wuhan. Non, mais tout va bien. Sur un produit biologique qui a été breveté depuis les 20 dernières années par tout le monde. Hop, mais il apparaît. Oh, on ne le connaît pas. Tiens, mais on a déjà les vax. Reprenons, reprenons. Là, on s'éloigne, et puis après, je vais plus pouvoir le mettre sur YouTube. Et c'était financé en partie par le Fonds pour l'étude de l'écologie humaine, un canal de financement de la CIA pour les expériences de contrôle de l'esprit. Cette opération, vous savez, il y a une époque aussi, Obama voulait absolument qu'on fasse le scan du cerveau humain. Et puis après, il y avait eu le projet Génome. Il fallait aussi, voilà, ça, on prend nos thunes
pour faire des recherches là-dessus, mais en parallèle, il y a techniquement parlant, technologiquement parlant, des intérêts qui se développent sur le contrôle grâce à toutes ces données qui ont été financées par nous. De toute manière, c'est nous qui créons l'argent. Eux, ils le matérialisent, mais c'est nous le code, le créateur de l'énergie utilisée. Cette opération a été mise en place par des scientifiques nazis émigrés et d'autres, sous la direction de médecins de la CIA, Sidney Gottlieb, Evan Cameron et Louis Jolin West, selon le chercheur en contrôle mental nommé Alex Constantine. Kalspan met l'accent sur la bio-ingénierie et l'intelligence artificielle. C'était un pionnier dans le domaine, Kalspan, dans les années 50. Il y a 70 ans, 11, 12, bientôt. Et tous les ans, ils font 40 ans enfin, au jour, ces dernières années, c'est plus 20 ans d'avance par rapport aux civils que les militaires ont, c'est bien plus. Grâce justement à l'interaction des différents domaines, cyber, nano, génétique, et autres, les ondes, et autres. La technologie de suivi et de surveillance des humains a bien fait partie de la sphère d'activité de Kalspan. La société joue un rôle déterminant dans RedCap, un système de guerre électronique de l'Air Force qui traverse toutes les installations du ministère de la Défense du pays. C'est utilisé pour évaluer l'efficacité du matériel, des techniques, des tactiques et des concepts de combat électronique. Ça comprend un radar en boucle fermée, des liaisons de données au poste de fusion de données habitées, radiofréquences et de contrôle des armes. Bon, une phrase un peu au revoir. Il y avait un surfeur qui avait rapporté un bourdonnement désincarné. Un grondement de basse fréquence qui avait été entendu à travers le pays la semaine de l'attentat à la bombe d'Oklahoma. Le phénomène de la guerre Hutu-Tutsi, les Hutu-Tutsi, était aussi accompagné, semblerait-il, de ce genre de travail de messages subliminaux et de contrôle mentaux à distance par le biais d'émissions de radio quasiment officielles d'ailleurs, dans lesquels déjà le discours politique poussait à la haine, la violence et au massacre. Mais en plus, il y avait des messages subliminaux codés qui allaient toucher d'une population particulière, peut-être d'ailleurs celle qui avait été soumise à certains traitements médicaux auparavant, histoire de leur inoculer le matériel nanotechnologique nécessaire et suffisant pour en faire des robots à distance. Des bourdonnements similaires à Taos, Nouveau-Mexique, Eugene et Medford en Oregon, Timmons en Ontario et à Bristol en Angleterre étaient très certainement, malgré les démentis officiels, adaptés aux voies auditives du cerveau. L'Air Force est l'un des principaux clients de Kalspan et Eglin de l'Air Force, de la base aérienne militaire américaine Eglin a recruté du personnel clé pour l'entreprise. L'ironie grinçante, rappelant l'affirmation de McVeigh selon laquelle il avait été implanté avec une puce, est que la branche de technologie de l'instrumentation de la base aérienne d'Eglin est actuellement engagée dans le suivi des mammifères avec des dispositifs de télémétrie sub-miniature. Nano, on va dire. Microscopique nano. Les mammifères, c'est nous aussi, hein, évidemment. Selon un communiqué de l'Air Force, la puce transmet sur la bande S supérieure 2318 à 2398 MHz avec jusqu'à 120 canaux numériques. Elle n'a rien de secret, cette puce. Des publicités pour des versions commerciales de l'appareil sont apparues dans des publications nationales. Le magazine Time a publié une publicité pour un transpondeur implantable pour les animaux de compagnie dans son numéro du 26 juin 1995.
assez ironiquement, en face d'un article sur un chef de la milice qui mettait en garde contre le nouvel ordre mondial à venir. En 1995, il y aurait aussi pu y avoir un article de Serge Monast, par exemple, ou de William Cooper. Alors que la surveillance des animaux a été une poursuite scientifique non classifiée pendant des décennies, la surveillance des humains a été un projet hautement classifié et qui n'est que sous-ensemble de l'arsenal non létal du Pentagone. Non létal, ça veut dire vous ne mourrez pas tout de suite. Pas tout de suite. Les implications dystoniques ont été explorées par un journal Defense News le 20 mars 1995. Les laboratoires de recherche de la Navy essayent de mixer les neurones et les puces RFID. Des études pourraient produire une armée de zombies. De futures batailles pourraient être menées avec des organismes génétiquement modifiés, tels que des rongeurs, dont l'esprit est contrôlé par des puces informatiques conçues avec des cellules cérébrales vivantes. Oui, on développe des neurones sur du graphène, vous savez. À la recherche appelée Hippocampal Neuron Patterning, développe des neurones vivants sur des puces informatiques. Sur le silicone aussi, je pense qu'il l'avait fait. Mais je crois que ça marche mieux dernièrement sur le carbone. Cette technologie qui modifie les neurones pourrait potentiellement être utilisée sur les personnes pour créer des armées de zombies. Il est concevable, d'après Laurence Korbe, étant donné l'état actuel de l'art du contrôle mental électronique, qu'un os cybernétique sur Oz, c'est le magicien d'Oz, sur l'arc-en-ciel du magicien d'Oz, du budget noir, des black budget, black funds, que McVeigh ait été entraîné dans un projet expérimental et que l'appareil soit le vrai McCoy. Donc, je ne sais pas, McCoy, c'est le nom de l'inventeur, je suppose, d'un inventeur. McVeigh, Timothy, a peut-être été à son insu un cobaye de l'armée et de la CIA impliqué dans un projet classifié de télémétrie et de contrôle mental à distance, faisant de lui un candidat manchou. Ou pas. Quoi qu'il en soit, la technologie existe et elle est mature. Elle est à maturité. Seul un idiot penserait qu'elle n'est pas utilisée. Voilà, vous voyez. Là, il est un petit peu vache. Seuls les gens qui n'arrivent pas à relier les points. Mais pourquoi est-ce qu'ils ne relient pas les points? Ils ne relient pas les points parce que les gens qui relient les points, on les traite de conspi, comploteurs, de dégénérés, de ce que vous voudrez, de fumeurs, de moquettes, de schizophrènes, d'hallucinés. Voilà ce qui se passe aujourd'hui. Mais bon, mon public, que je remercie, que je salue, est au courant. Hein. C'est ce qui fait mal au cœur, finalement, c'est de voir les 90% d'occupation des lits d'urgence par des doubles vaccins qui nous traitent comme si on était délirants alors qu'on les avait prévenus depuis des années. Mais ils ne pensent pas qu'ils soient utilisés à grande échelle. Mais en quart, ben si. Vous pouvez faire ça avec ARP sur toute la région Aquitaine, si vous voulez. Ou une autre. Avec des relais, avec un certain nombre des 32 000 nouveaux relais 5G qui ont été implantés en France. Je parle de la France. Hein. C'est d'abord été le nord de l'Italie, Wuhan, et le paquebot Princess Crystal qui ont été bourrés de 5G. Pardon, excusez-moi. On ne va pas relier tous les points quand même. Mais si, on va relier tous les points. Ça finit par faire une dalle. Ce n'est plus une toile d'araignée, là. Ça devient une dalle, tellement c'est tissé, fin, dans tous les sens, tous ces points à relier. Mais c'est normal, il faut y arriver à ce niveau-là d'utilisation de nos cerveaux. Hein, on est rodé maintenant depuis quelques années, là. On se rend compte que on développe tous les 15 jours dans les médias parallèles
un des sujets, mais que tous les sujets qu'on a développés depuis des années sont tous en action en même temps et interrelatifs, interreliés, entre eux. Et qu'on parle de sujets, mais on peut aussi parler de personnes qui appartiennent à différents clubs, membres, fraternités ou conseils, programmes scientifiques ou programmes d'espionnage. Si vous vouliez faire ça à grande échelle, vous modifieriez votre ADN ou ARN pour la structuration neuronale hippocampique de personne à personne. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire en ce moment? Mais encore une fois, à moins que des larges segments de la population ne reçoivent de petits dispositifs de contrôle mental, cette technique n'est pas très utile pour encercler un grand nombre de personnes. Mais 40% de la population, là, ça fait quand même un large segment de la population qui a reçu des petits dispositifs de contrôle mental. Il y a le graphène, il y a les nanobots, il y a des protéines, et de toute manière, il y a le contrôle par les chemtrails et la 5G, ou le Bluetooth, ou les Wi-Fi, ou les armes à énergie dirigées. Donc, d'après Metallic Man, d'autres systèmes doivent être employés. Au niveau de la recherche soviétique, une bataille très secrète était menée dans les coulisses pendant la guerre froide dans les domaines des armes électromagnétiques, appelées psychotroniques aussi, pour contrôler et influencer l'esprit des gens. Ce n'est que maintenant que certaines de ces recherches ont vu le jour au public, mais une grande partie reste cachée et classifiée. En fait, nous en savons plus sur les recherches soviétiques dans le domaine, car l'Union soviétique s'est effondrée en 89, chute du mur de Berlin. Un numéro de 75 de la publication soviétique internationale Life, International Life, version russe, je suppose, discutant des développements du contrôle mental électronique, déclarait que l'électricité atmosphérique pouvait être utilisée pour supprimer l'activité mentale de grands groupes de personnes. Alors là, j'en peux plus. Si, j'en peux plus. C'est le comble de la satisfaction d'avoir compris, d'avoir raison, alors que c'est la découverte qu'on est piégé jusqu'au profond. Si je suis de meilleure humeur, j'ai dit j'en rirais si ce n'était si triste. L'électricité atmosphérique, c'était cela. Elle existe, elle est là, on pourrait même s'en servir pour s'éclairer, se chauffer, voire se nourrir. Voire respirer sans air, d'ailleurs, en créant par des fréquences la molécule d'oxygène dans nos corps où qu'on soit. Là, je vais peut-être un peu loin, mais je suis bonheur que c'est potentiellement possible. Donc, l'électricité atmosphérique peut être utilisée pour supprimer l'activité mentale de grands groupes de personnes. Donc, vous avez ARP, vous avez le chemtrail, la bourrée de lithium, par exemple, je ne sais pas s'ils le font, mais pourquoi pas. Le lithium, c'est un produit qui vous sert à vous conformer mentalement, à vous rendre calme dans les hôpitaux psychiatriques, paraît-il. Vous avez l'électricité atmosphérique. Supprimer l'activité mentale de grands groupes de personnes, il y a d'autres moyens. Vous déclenchez une semaine de championnat de football. Ça supprime l'activité mentale d'un certain nombre de personnes. Pardon. Vous faites une hyper-propagande, vous répétez les mêmes termes 200 fois par heure dans toutes les émissions, sur toutes les chaînes, sur toutes les fréquences, sur toutes les radios, dans tous les journaux. Peur, par exemple. Peur. Comme ce qu'on a vécu il y a un an. Ça aussi, ça supprime. Ça vous met dans un état de basse fréquence dans lequel vous n'avez plus les capacités d'un fonctionnement maximum de votre cerveau. Donc, quand vous avez une émotion, vous n'en sentez plus, vous tournez en rond là-dedans, en plus. Le journal soviétique a déclaré qu'un générateur sonore réglé sur une fréquence d'infrasons inférieure, donc au niveau audible,
pourrait créer des sentiments de dépression, de peur, de panique, de terreur et de désespoir. En 1977, la DIA, Defense Intelligence Agency, intelligence et renseignement. Donc ça, c'est le renseignement militaire. Donc le renseignement militaire, c'est eux qui disent à Epstein qu'est-ce qu'il devait faire. Ouais, c'est plutôt eux que l'autre. Bon, ça n'a pas grande différence, quoique. Hein. Donc, la DIA des États-Unis a déclassifié un rapport décrivant comment les progrès de la technologie psychotronique soviétique peuvent créer la société ultime du grand frère. La DIA a déclaré qu'en utilisant le contrôle mental électronique contre les populations, on pourrait implanter des idées et des pensées dans la tête des victimes sans méfiance. L'élan des sons et peut-être même des mots qui semblent provenir de l'intérieur du crâne peuvent être induits par la modification du signal à des densités de puissance moyenne très faibles. Donc, vous pourriez voir un émetteur à partir d'un petit dispositif qui tient dans un sac à main dans un bistrot à quelques mètres de vous, ou d'autres moyens, mais vous pouvez être touché voilà. Vous pouvez avoir quelqu'un qui fait un discours et qui est influencé par quelqu'un dans le public en face. Le rapport a également déclaré que les Soviétiques ont découvert que le rayonnement micro-ondes secret peut être utilisé pour induire des victimes sans méfiance. Chez les victimes sans méfiance, des maux de tête, de la fatigue, de la transpiration, des vertiges, des troubles menstruels, de l'irritabilité, agitation, tension, somnolence, insomnie, dépression, anxiété, oubli et manque de concentration. Bafouillage. Et bafouillage aussi. Non, je rigole. Après l'effondrement de l'Union soviétique, dans une manœuvre identique à l'opération Paperclip pendant la Seconde Guerre mondiale, les agences de renseignement occidentales ont obtenu toutes les recherches soviétiques et recruté du personnel clé travaillant dans ce domaine sensible, en rachetant ça aux mafias diverses et puis en récupérant le personnel au chômage. La recherche russe est maintenant pratiquement arrêtée en raison des crises économiques. En fait, il y a plein de chercheurs qui ont trouvé des mécènes qui, eux, n'ont pas hésité à mettre des sous dans des projets qu'un gouvernement aurait eu du mal à justifier. Mais bon, qui c'est qui a bâti ce mécène, hein ? Évidemment, Elon Musk, il sort d'où ses 33 millions de dollars ? En vendant PayPal, non, c'est ça ? Et ça sort d'où PayPal ? Blablabla, blablabla, et on remonte, ça sort d'où tout ça ? Ça remonte des plans des Coven, Illuminati, Parents, Anunnaki. Si vous voulez mon avis, polonais. Un rapport publié dans Defense Electronics du début des années 90 indiquait qu'une entreprise du Richmond en Virginie, Psychotechnologie, supposée être étroitement liée à la CIA et au FBI, avait acheté les droits, les droits américains sur les dispositifs soviétiques de contrôle mental. Defense Electronics a décrit une réunion au printemps 1993 entre des responsables de l'administration Clinton et des experts soviétiques en psychotronique, dont le docteur Igor Smirnov. On the rocks. Parmi les agences américaines représentées aux réunions avec Smirnov figuraient le FBI, la CIA, la DIA et le ARPA. Advanced Research Project Research Agency, l'agence de recherche sur les projets de recherche avancée. Les responsables Clinton voulaient déterminer si des programmes de psychocorrection pourraient être entrepris par le gouvernement américain pour être utilisés pour affecter le jugement et ou l'opinion des décideurs ou du personnel clé ou des populations. Alors ça, plus Dominion et Seattle, vous êtes sûr que le résultat des élections, vous l'avez dans la poche, quoi, hein ? D'autant plus si vous tenez la personne qui lit à la télé les résultats. Parce qu'aujourd'hui, je suis sûr que si la télé disait n'importe quoi, malgré les résultats,
voyez ce que je veux dire ou pas? Les responsables de la défense de Clinton ont exprimé leur intérêt pour le fait que ces dispositifs psychotroniques pourraient être utilisés dans les zones de nettoyage non violentes des ennemis potentiels, de tireurs d'élite, etc. Donc, c'est pour neutraliser de manière non violente, soi-disant, dans des zones, les ennemis potentiels tels que des tireurs d'élite, etc. Sur le plan intérieur, des dispositifs psychotroniques pourraient être utilisés pour réprimer les dissidents politiques et toute autre menace potentielle pour le gouvernement. Vous savez que si aujourd'hui vous n'êtes plus d'accord avec ce que dit le gouvernement, vous êtes considéré comme terroriste domestique. Je fais exprès d'essayer de lier mes mots de façon à ce que l'algorithme en bave pour déterminer les mots-clés. Mais je ne suis pas sûr que ce soit aussi efficace que ce que je l'aimerais. Mais je vous prie de m'en excuser, ce n'est pas parce que je ne veux pas articuler. Les experts soviétiques ont également rencontré des responsables de sociétés internationales géantes telles que General Motors et des chercheurs de l'Institut national de la santé mentale. Le magazine Newsweek du 22 août 1994 a fait état d'une réunion secrète à Arlington, en Virginie, entre des experts du centre antiterroriste du FBI et le docteur Smirnov, dont le travail a été décrit dans la publication suivante. À l'aide d'électroencéphalographes, Smirnov mesure les ondes cérébrales puis utilise des ordinateurs pour créer une carte du subconscient et de diverses impulsions humaines, telles que la colère ou la libido. Puis, à travers des messages subliminaux enregistrés, il prétend modifier physiquement le paysage intellectuel, sensitif de la victime avec le pouvoir de la suggestion. Paragraphe sur la recherche sur les armes psychotroniques. Le colonel John Alexander s'est déjà fait connaître du public à son article de décembre 80 intitulé « Le nouveau champ de bataille mentale ». Cet article décrit clairement la nature létale de bon nombre des armes dites non létales, actuellement mises au point pour contrôler les populations civiles. Il a noté, la psychotronique peut être décrite comme une interaction de l'esprit et de la matière. La possibilité d'utilisation comme armement a été explorée. Pour être plus précis, il existe des systèmes d'armes qui fonctionnent grâce au pouvoir de l'esprit dont la capacité létale a déjà été démontrée. Décrivant le développement soviétique des armes psychotroniques, Alexander a déclaré que la capacité de provoquer la mort peut être transmise à distance, provoquant ainsi la maladie ou la mort sans raison apparente. C'est le Death Ray, le rayon de la mort de Tesla aussi, hein, n'est-ce pas? Et de toute façon, Alexander, il était super branché, il est toujours, sur le remote view, sur le voyage temporel, sur des trucs incroyables. Parce que là, on est dans le psy pur, et là, on a. Aujourd'hui, nous, on développe dans le psy d'après les machines, quoi. Enfin, d'après les machines. Par le biais de machines interposées. Mais Alexander, il est aussi branché sur cet impact-là, du style l'homme qui parlait avec les chèvres, là. Hein. Le remote influencing, le remote view à distance avec influence. Sans quoi les Russes étaient déjà dans les années 70 sur l'affaire depuis longtemps. Mais bon, il y a plusieurs éléments à considérer. Déjà, ils ne veulent pas admettre ne pas être en premier. Et tout le monde veut être premier. Je suis le premier à avoir dit en ce moment. Non ridicule. Le gars, c'est le premier dans sa tête. Oui, ça c'est vrai. On n'est pas au courant de la moitié des choses qui se passent sur la planète, malgré Internet. Vous n'êtes jamais les premiers nulle part. Ni les plus forts, ni les plus rapides, ni les... Il y a toujours mieux, il y a toujours plus fin, il y a toujours plus rapide, il y a toujours plus haut, il y a toujours. Toujours. Le plus riche, que vous savez que c'est le plus riche, mais le vrai plus riche, il ne dit pas qu'il est le plus riche. Non. Ben, pour diverses raisons. C'est un peu complotiste, hein. C'est même très conspicu, je dirais. Ces armes seraient capables d'induire la maladie ou la mort avec peu
ou pas de risque pour l'opérateur. L'arme psychotronique serait silencieuse et difficile à détecter. Des puissants initiés de l'élite savent depuis longtemps comment les armes électromagnétiques peuvent être utilisées efficacement pour exercer un contrôle mental contre la population, ciblant spécifiquement les dissidents politiques et les fauteurs de troubles. Qu'en est-il des nombreux militants politiques, journalistes d'investigation qui sont morts dans des circonstances mystérieuses, dont beaucoup de formes très rares de cancer foudroyant dans les 6 mois, voire moins? Aurait-il pu être éliminé par les armes psychotroniques? Nous ne pouvons qu'imaginer à quel point cette technologie est avancée aujourd'hui. Le conseiller scientifique du président Lyndon Johnson, le docteur Gordon G.F. MacDonald, a écrit dans un livre en 68, « À moins que la paix ne vienne, une prévision scientifique de nouvelles armes. » Blablabla, ben, la phrase, elle est bizarre. Il prévoit de nouvelles armes par le biais des sciences, on va dire. MacDonald a décrit comment les changements provoqués par l'homme dans l'ionosphère électrique terrestre peuvent être utilisés pour contrôler le comportement des masses. Ça, c'est par ARP, ça vous m'expliquerez ce que c'est. Il a dit que les oscillations électromagnétiques à basse fréquence peuvent attaquer les ondes cérébrales électromagnétiques à basse fréquence chez les êtres humains. La perturbation de l'environnement par la guerre géophysique peut produire des changements dans les modèles de comportement. Dans son livre de 70, Between Two Ages, Entre deux âges, Zbigniew Brzezinski, qui est un stratège de longue date de l'establishment, a décrit le contrôle du temps, comme le temps, le climat, comme une nouvelle arme qui est un élément clé de la stratégie. Il ajouta, la technologie mettra à la disposition des dirigeants des grandes nations une variété de techniques pour mener une guerre secrète dont seul un strict minimum des forces de sécurité doit être évalué, sera au courant. Quoi. Brzezinski a prédit les types exacts d'armes psychotroniques électromagnétiques que l'administration américaine possède maintenant pour le contrôle du comportement de masse des citoyens. Il a déclaré, il est possible d'exploiter à des fins stratégiques et politiques les fruits de la recherche sur le cerveau et sur le comportement humain, évidemment. Vous voyez, pour nous, les conspis, c'est évident ça, mais pour les zombies ou ours, ça, ils n'osent pas y croire qu'il puisse y avoir de telles idées malsaines dans l'esprit de nos dirigeants. Mais ils sont d'une grande naïveté, quoi, par ignorance de base. En plus, si vous ignorez qu'il y a des sociétés secrètes, si vous ignorez que la technologie est à ce niveau-là, si vous ignorez les plans qu'ils ont, ben, évidemment que c'est encore moins facile de relier tous les points et de vous dire « Oula, oula, ça sent mauvais, là, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui nous prépare ?» Mais si vous n'ignorez pas de ça, c'est de la lucidité logique. On n'est pas vraiment spécialement des enfants indigos, quoi, je veux dire. Hein. C'est juste normal pour moi de réfléchir comme ça. Mais je me rappelle quand on était petit, que mon père me disait « Tu réfléchis un peu à ce que tu fais de temps en temps ?» Parce que justement, j'ai constaté qu'il y a un niveau de présence à soi lors de vos actions. Il y a un niveau de profondeur, il y a des niveaux d'ailleurs de conscience de vous-même pendant que vous vivez qui prédisposent à ce que vous soyez plus ou moins conscient de ce que vous faites, de ce qui se passe. Et si vous ne faites pas ce petit effort de rappel à vous-même, d'arrêter de rêver, si vous ne faites pas ce petit yoga interne, naturel en plus, enfin naturel, il est à disposition, mais naturellement parlant, non, c'est vrai qu'on resterait plutôt infantile, sinon. Mais bon, grâce à ce petit stimuli-là, j'arrose. Vous pouvez prendre de moins de risques de zombification lors de votre cursus éducatif. Et considérer des chaînes comme la mienne comme tout à fait normales. Quoi. Des coups électroniques précisément chronométrés et artificiellement excités pourraient conduire à un modèle d'oscillation qui produise des niveaux de puissance relativement élevés dans certaines régions de la Terre. De cette façon, on pourrait développer un système qui altérerait sérieusement les performances cérébrales d'une très grande population dans des régions sélectionnées sur une période prolongée.
Bon, vous savez aussi qu'ils ont inventé un vaccin contre l'extrémisme religieux. Ils ont trouvé quelle était la zone du cerveau qui était stimulée par l'état religieux, la ferveur religieuse chez les gens. Et ils ont réussi à l'éteindre chez certains fanatiques religieux. Et s'ils ont réussi à l'éteindre, ils savent l'allumer aussi. Hein. Donc, ils peuvent vous transformer un extrémiste en placide et un placide en extrémiste. Hormonalement parlant. Hein, ils pensaient à des bombes gazeuses, je crois. Une diffusion de phéromones particulières. Mais donc, grâce à un article de Health Rangers Mike Adams, on sait que toutes les molécules chimiques ont leur équivalent en fréquence vibratoire. Je me servais aussi de cet élément-là pour dire qu'on pouvait créer de l'oxygène n'importe où dans un corps à distance en envoyant une fréquence. Je disais que c'était un petit peu olé-olé comme élucubration, mais que ça me paraissait potentiellement possible. Bon, reprenons. Technologie de harcèlement électronique disponible. Il y a cinq technologies. Il existe cinq technologies plus anciennes capables de détruire de manière extrême la capacité de gagner sa vie, la qualité de vie d'une cible. Aucune de ces technologies ne nécessite d'implant et toutes peuvent être transmises silencieusement à travers les murs, ne laisser aucune trace. Elles sont disponibles depuis des décennies. Il le souligne, décennies. Étant donné que peu de cibles acquerront le bon équipement de détection qui est hors de prix aujourd'hui. Depuis 10 ans, les prix ont. Ben déjà, le matériel a disparu du marché et en plus, ce qui reste, c'est hors de prix. Mais c'est 15 000 euros le déblement détecteur, quoi. 12 000 euros la mallette pour le bricoleur de base. Mais bon, des visions nocturnes de génération 4 ou 5, c'est aussi dans ces prix-là. Hein. Évidemment. Ben le complexe militaro-industriel, ils ne se gênent pas pour facturer des fois un bidet à 10 000 euros sur un navire de guerre. On avait vu ça. Donc on se doute que le bidet, il n'a pas coûté 10 000 euros, il a coûté 20 euros et que les 9 980 euros restants ont servi au Black Budget. Hein. L'argent ne s'est pas perdu, il est parti ailleurs. Bon, par exemple, une arme de four à micro-ondes. Un simple four à micro-ondes, porte retirée, avec interrupteur de verrouillage de porte contourné, shunté, est maintenu contre le mur de la chambre d'une cible dans un immeuble d'appartement ou une maison jumelée, peut provoquer divers symptômes de médicaux invalidants. Oui, en fait, on vous dit débarrassez-vous du micro-ondes, mais si vous êtes dans un HLM et que tous vos voisins alentours ne sont pas eux aussi débarrassés du micro-ondes, vous restez soumis à un énorme smog de micro-ondes. Électrosmog de micro-ondes, notamment aux heures où tout le monde commence à se faire chauffer le café ou aux heures des repas, etc. Mais là, si en plus vous placez votre four contre le mur, de l'autre côté, les ondes, elles arrivent, quoi. Et donc, dans un diamètre de 8 mètres, à peu près, en général. D'ailleurs, si chez vous, vous ramenez de la bouffe bio, et que vous avez encore un micro-ondes, que vous faites chauffer de l'eau, par exemple. Un, vous tuez l'eau, mais ça, ce n'est pas le problème. De deux, les ondes qui fuient du micro-ondes finissent par irradier toute votre cuisine et toute votre réserve, même de bouffe bio, dont vous détruisez l'énergie subtile vivante. Hein. Il faut penser à un tas de paquets de trucs, tout le temps. C'est mieux d'être plusieurs ou c'est mieux d'être rodé. D'avoir des réflexes, mais bon, pour avoir les réflexes, il faut apprendre. Hein. D'abord. Après, on oublie, et puis après, ils sont intégrés. Mais... Deux, émetteur à micro-ondes pulsé du docteur James C. Lynn. Le succès de la voix dans le crâne du docteur Sharp a été reproduit avec l'émetteur à micro-ondes pulsé du docteur Lynn. Ça a été annoncé en 1974 à l'Université de l'Utah. Cet appareil produit un son audible transmis directement dans le crâne d'une cible à travers la paroi.
à travers le crâne, a priori, et puis les murs. Bien sûr, cela peut rendre folle la cible à travers le mur. Et si la cible se plaint, elle sera immédiatement diagnostiquée comme étant malade mentale. Allez, oup, vite, 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 hôpital psychiatrique. Là. Le brevet américain 6587-729 a été délivré sur la base du succès de Voice to Skull, hein, la voix dans le crâne du Dr. Sharp, Vetuka. 3. Le son silencieux, le Silent Sound de Lovery, brevet 5-159-703, a été utilisé pour des cassettes et des CD d'hypnose subliminale d'auto-assistance. Il a également été utilisé par l'armée américaine dans la première guerre du Golfe en 1991. Il est actuellement utilisé pour la prévention du vol à l'étalage dans certains pays, dans certains magasins. Avec la technologie voix-crâne de Sharp, Silent Sound peut être projeté à travers le mur d'une chambre et peut hypnotiser une cible dans son lit sans que la cible ne le sache. L'hypnose inconsciente est clairement un harcèlement électronique extrême. La personnalité d'une cible peut être gravement perturbée et la cible ne saura pas pourquoi cela se produit. Ça, c'est le pire, vous savez, c'est comme lorsque le secrétaire à la défense s'est jeté du 17e étage à la suite d'une soirée où on y avait mis du LSD dans son cocktail parce qu'on essayait de voir s'il allait parler ou pas. C'était un test de la CIA ou d'un Black Project. On essayait de voir s'il allait parler de ce qu'avait dit. Il y avait deux choses. Il y avait la divulgation OVNI et ce qu'avait dit l'amiral Byrd au retour de son expédition High Jump à propos de ce qu'il avait vu en Antarctique, des bases, des E.T. et tout ça. Donc, et des nazis. Le pire, c'est qu'on ne lui avait pas dit qu'on lui avait mis du LSD dans son verre. Et donc, il s'est retrouvé sous trip sans le savoir. Et donc, d'un coup, vous vous rendez bien compte qu'il se passe quelque chose et vous ne savez pas pourquoi. Et ce côté-là est très, très, très déstabilisant. Si vous ne savez pas, ou si vous avez oublié que vous avez pris une drogue, vous avez encore plus de mal à ne pas perdre pied mentalement. Oui, vous pouvez en arriver à des gestes extrêmes. C'est-à-dire qu'il y a des gars qui ont essayé de voler tout seul la fenêtre ouverte, pas comme Forrester, hein, qui lui a été retrouvé emballé dans le rideau, étranglé dans le rideau en bas du 17e étage. Oui, parce qu'à la suite de ce cocktail traficoté, les autres agents ont déterminé que le gars allait parler au public de tout ça. Parce que c'était une période où il y avait quand même encore des gens normaux qui estimaient que le gouvernement outrepassait ses droits et que certaines informations devaient parvenir au monde entier et non pas rester qu'entre les mains de petits groupes militaires aux mauvaises intentions et aux mauvaises relations, parce que tout ça découle d'interrelations avec les E.T. qui ont réussi à faire flipper les Américains de façon à ce qu'ils leur demandent un échange de technologie contre le fait que les E.T. pouvaient s'implanter sur le territoire américain et utiliser une partie de la population pour faire des tests. Vous voyez, c'est une stratégie multiple. D'une pierre, ils font de multiples coups et de toute manière, chacune des étapes est nécessaire pour établir un plan par la suite, une suite au plan, dans le but final de la colonie de la planète. Hein, les grands emplacements, colonie de la planète, exploitation minière à donf, et toutes les exploitations à donf, puis après, quand c'est foutu, on en prend une autre de planète. On va chercher la suivante. Rappelez-vous que tout ceci était faisable en 1974. Donc ici, vous avez un schéma qui était passé dans notre littérature conspi il y a quelques années déjà, à propos justement de la transmission des voix dans le crâne. Donc, je ne vous traduis pas tout, mais c'est le moyen de provoquer une hypnose à distance, une hypnose inconsciente. Quatrième moyen, le signal LIDA. Il s'agit d'un appareil médical vieux d'un demi-siècle, de fabrication russe. C'est un émetteur radio pulsé de 40 watts à 40 MHz. De l'entreprise Yellow Cake. «
Il peut être utilisé pour épuiser une cible au travail lorsqu'elle pulse à un rythme compatible avec le sommeil qui empêche de dormir. Si vous utilisez une augmentation de fréquence du pouls, ça privera également la cible de sommeil. Certains émetteurs radio amateurs peuvent être configurés pour dupliquer le signal LIDA. Le brevet US 373049 décrit le principe de fonctionnement du LIDA. Et vous pouvez en acheter un ci-dessous. Yellow Cake LIDA Machine à $240. Ceci n'est pas un placement de produit. Hein. Cinquième, épique. Nommée EPIC, une arme de coordination perturbation de l'équilibre à travers le mur est une technologie active utilisée aujourd'hui. Les cibles de harcèlement électronique ont signalé que leur équilibre et leur coordination étaient soudainement perturbés. Comment désactiver un méchant dans une foule sans le tuer ou causer des dommages, permanents? C'est un problème rencontré par les troupes de combat urbains et les forces de l'ordre local. Et maintenant, une entreprise locale appelée Invocon aïe, aïe, peut avoir la réponse et la solution peut être un code d'arme nommé EPIC. L'entreprise développe une arme qu'elle espère pouvoir un jour permettre de tirer à travers les murs et étourdir les gens de l'autre côté du mur. Conclusion, aujourd'hui, le taux de chômage aux États-Unis est censé être un merveilleux 3,68%. Soit une baisse de 0,21 par rapport à 2018, en 2019. Le taux de chômage en 2018 était de 3,90, soit une baisse de 0,46 par rapport à 2017. On baisse chaque année de mieux en mieux, c'est merveilleux, non? Et pourtant, 61% des Américains sont si pauvres qu'ils ne payent aucun impôt fédéral aujourd'hui. Et c'est plutôt grave, car les Américains sont taxés pour tout, nous aussi. Hein, on ne paye pas d'impôts, mais toutes les autres taxes augmentent. Et alors? Il y a une baisse d'impôts, ça nous peut. Il y a une augmentation des taxes. On se fout de nous. Ces deux nombres, ces deux notions ne fonctionnent pas l'une avec l'autre. Hein. Les baisses de chômage et puis le taux actuel de personnes en dessous du niveau de pauvreté. Alors, si ces deux chiffres sont corrects, qu'est-ce qui se passe? Ça doit être effrayant. Le gouvernement américain a laissé tomber tout le monde à grande échelle. Le système américain de démocratie exceptionnelle a laissé tomber tout le monde à grande échelle. Ou si l'un des deux chiffres est une fabrication ou une manipulation, alors le gouvernement ment pour dissimuler quelque chose de très grave et de très mauvais. Il soutient, Metallic Man, que peu importe comment vous regardez cette situation, quelque chose à l'intérieur de la société américaine et du gouvernement américain est gravement déraillé. La seule façon dont le gouvernement peut contrôler la situation est de contrôler le peuple. Et c'est pourquoi le peuple et la population américaine sont constamment et secrètement irradiés de récits et d'algorithmes de contrôle pour contrôler leur comportement. C'est non-stop dans toute l'Amérique. La manipulation des médias sociaux et autres moyens utilisés pour rassembler les gens dans des enclaves balkanisées de la pensée, des chambres d'écho. Ça a été développé lors du projet par Brendan O'Connell, ces sociétés américaines de renseignement et de cybertechnologie qui tiennent par le biais d'algorithmes dans les GAFA tous les groupes dissidents à tourner entre eux, à leur faire croire qu'ils augmentent en groupe, mais c'est juste quand ils font se connaître deux groupes qui parlaient déjà des mêmes choses la veille. Hein. Il n'y a pas plus de monde. C'est juste que vous découvrez, vous faites une réunion de famille et vous découvrez que vous avez des cousins que vous ne connaissiez pas. Ils ne viennent pas d'être inventés, ces cousins. Hein. C'est juste que vous ne les connaissiez pas. Votre famille, elle n'est pas plus grande qu'avant, quoi. Hein. Vous pensiez juste qu'elle n'était pas aussi grande, mais elle reste très menue, hein, quand même, hein, en ce qui nous concerne. Les documents Vault 7 qu'il faut voir, c'est une déclassification de milliers de documents du FBI, me semble-t-il. Oui, Vault 7, c'est le FBI. Il faut regarder dans Wikileaks. Ce n'est pas la CIA, hein, je crois que c'est le FBI. Il y a aussi des milliers de documents de la CIA qui sont déclassifiés. Il y en a tellement qu'il nous faudrait des années et des années, vous comprenez? Là, il faudrait qu'on puisse répartir quand il y a une divulgation comme ça. Allez, je prends les numéros 1 à 10, toi tu prends les 10 à 20, et tatati, tatata.
Et puis après, on fait une réunion entre nous et on conclut, on résume, ce qui fait que tout le monde devient au courant de tout ce qui se passe en une heure, en quelques mots. Tandis que sinon, 10 000 documents, ben moi j'en suis au 300e et j'en peux plus. Hein. Et vous faites la même chose en plus, et donc on perd du temps. Et aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est ça, c'est gagner du temps. C'est monter en compétence avec le peu de temps qui nous reste. Donc, Vault 7 indique clairement que les systèmes d'exploitation hors des États-Unis sont conçus pour contrôler l'esprit de ceux qui les utilisent. Les systèmes d'exploitation hors des États-Unis sont conçus pour contrôler l'esprit de ceux qui les utilisent. Moi, quand je tombe sur un, je change d'ordi et j'ai un nouveau programme qui arrive, je constate que la définition des actions que j'entreprends sur mon ordi a des termes qui sont utilisés pour autre chose dans ma vie courante d'habitude. Pour moi, d'habitude, quand je filtre quelque chose, ce n'est pas ce qui reste dans le filtre qui m'intéresse, c'est le liquide qui a été épuré. Hein. Mais aujourd'hui, on considère le contraire, le terme de filtre, c'est l'action essentielle, en fait. Vous voulez garder ce qui reste dans le filtre. Par exemple, hein, et donc, bon, ça, c'est ma construction personnelle, soit c'est un sentiment qu'on peut généraliser, il y a antithèse. Enfin, antithèse, c'est le contresens total. J'emploie le mot qui est le contresens total de l'action que je fais. Quand je filtre, j'enlève la chose, pour moi. Et tandis que là, quand il filtre, il récupère la chose. Bon, ce n'est pas le sujet. Donc, si vous vous sentez que le monde semble devenir incontrôlable et qu'il y a un sentiment dominant de terreur, c'est peut-être l'opération en cours qui est un effet secondaire pendant des décennies du contrôle mental intentionnel. Ce n'est pas que vous. Il peut nous dire qu'une fois qu'il a quitté les États-Unis et qu'il est monté à bord du vol Air China, il a ressenti un calme et une sécurité absolue. Au départ, il croyait que c'était lui. Mais en fait, il a compris qu'il sortait d'une sorte de chambre de torture irradiée et que c'était qu'une fois qu'il avait quitté le territoire qu'il a pu expérimenter le genre de liberté et de sentiments avec lesquels il a grandi dans les années 60 aux États-Unis et qui avait disparu. Donc, il est ravi d'être arrivé en Chine. On se demande pourquoi. Le rire idiot de l'adolescent prépubère. C'est normal, c'est le matin. Excusez-moi. Hein, un petit coup. Et je tiens à rappeler à tout le monde qu'il existe des options. Des endroits qui ne vous irradient pas avec des radiations pour contrôler vos pensées, surveiller vos actions et vous arrêter si vous dépassez les limites. Vous avez là, dans ces endroits-là une vraie liberté, pas le genre de fausse liberté dont souffrent la plupart des Américains. Le reste du monde est tout simplement génial, vraiment, vraiment génial et super. Bon, en quart, ce n'est pas vrai hein, d'ailleurs, parce que même là en Chine, il est toujours soumis par les deux implants qui lui restent sur les 7 qu'il a reçus, dont 5 ont été désactivés. Donc, il y en a 2 qui sont toujours soumis à des ELF. Et les ELF, elles parcourent toute la planète. Il n'y a pas moyen finalement d'être à l'abri d'une ELF. Ou c'est tellement difficile, il faudrait être, je ne sais pas moi, dans un réservoir d'eau enterré à 500 mètres sous terre, quoi. D'eau et peut-être d'autres choses, d'autres liquides aux propriétés nanotechnologiques particulières. Oui, parce que quand on commence à pouvoir faire des monocouches d'atomes, on arrive à cet artefact, par exemple, à cet artefact récupéré lors des aventures autour de Roswell, on va dire. C'est du bismuth aluminium zinc en monocouche comme ça, qui est soumis à des terahertz de fréquence, commence à léviter, à partir en antigravité, vous savez, à devenir invisible. Enfin, en fonction des fréquences auxquelles il est soumis, il a des propriétés physiques qui dépotent. Ouais. Ah tiens, des monocouches, soi-disant en 2D. C'est jamais de la 2D, hein, c'est une usurpation, là encore, de la lucidité, de la logique. Hein. Il n'y a rien, la 2D, ça n'existe pas. C'est virtuel, la 2D. Dès que vous faites même un atome en monocouche, ce n'est pas en 2D, un atome, ce n'est pas plat. C'est un volume, un quantal de volume, si vous voulez, un volume quantique, c'est-à-dire tout petit, 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 petit. Mais c'est un volume en 3D, pas plat, il n'y a rien de plat.
Et voilà. Donc, on a fait cet article-là. Et l'impression que j'étais assez rapide. Enfin, 1 heure et demie là, de vidéo, combien de temps? Bien. Bon, ben, on va pouvoir la mettre sur YouTube, celle-ci. Je pense. Et si ce n'était pas le cas, ou s'il n'y restait pas longtemps, pensez à passer sur Odyssée, sur laquelle ben, y a tout mon travail. Enfin, il y a la moitié de ma chaîne YouTube. Hein, il manque la première moitié, les premières années. Et Crowd Bunker aussi, qui récupère en tout cas toutes les vidéos qui sont censurées sur YouTube. Et si j'ai du temps, un de ces quatre, je remplirai mon compte Rumble et les autres. Et là, j'en ai plein d'autres hein, sur BitChute, sur Spreaker, sur Patreon même. Mais bon, Patreon, ça me paraît. C'est tenu. C'est-à-dire que suivant ce dont vous parlez, vous perdez la vidéo aussi. Enfin bon, vous avez des problèmes de liaison avec votre compte. Et en plus, c'est plus ou moins payant, quoi. Il faut une inscription et donc ça m'embête. J'aimerais bien que mon matériel reste d'accès gratuit pour tous. On paye déjà l'abonnement en général ou le matériel pour accéder à ces infos. Alors bon, ça suffit. On n'a pas le temps là. Et en plus, c'est ceux qui ont les moins de moyens qui ont le plus besoin finalement d'accéder à toutes ces infos. En tout cas, c'est ceux qui sont le plus réceptifs, d'une part, et qui sont le moins dans le bain de cette société, et c'est donc les moins zombies. Hein. C'est assez logique aussi. Vous êtes moins dans le train d'enfer de perte de conscience par multiplicité des tâches, besoin de nécessité de devoir rentrer dans un cadre, des horaires, des finances particulières. Donc, vous avez le plus de temps disponible pour réfléchir à vous-même. C'est l'avantage. Voilà, je vais éviter de trop déblatérer maintenant de part et d'autre pour préserver le côté technologique et la distribution potentielle de cette vidéo sur le net. Je vous remercie d'avoir suivi. J'aurai sûrement des conclusions à faire, mais bon, comme je suis en direct là et que je n'ai pas préparé comme d'habitude, ça me reviendra plus tard. À très bientôt, bon courage. Oh les corps vaillants et éveillés. Pensez à des matériaux tels que le mu matériel. Ça, c'est de la toile métallique en fait. C'est doux comme une écharpe en soie presque. Ça dépend de la taille des mailles en fait. Et c'est du mu matériel. Ça se trouve sur. Ce n'est toujours pas un placement de produit. Ah, Ronia. A-A-R-O-I. A-R-O-1. Il y a deux A là. Mais c'est A-A-R-O-N-I-A.de. Il y a du matériel de détection, assez hors de prix, mais il y a aussi du matériel de protection. Et pour certaines ondes, ça marche. Mais pas pour toutes, hein, malheureusement. J'ai bien l'impression que pas pour toutes. Donc avec ça, vous pouvez vous faire un poncho qui peut vous protéger. Vous pouvez vous faire un baldaquin au-dessus de votre lit. Vous pouvez doubler vos fringues. N'est-ce pas? Et être un peu protégé. À très bientôt. Et peut-être que ce serait intelligent, surtout si vous maîtrisez un peu l'électronique, de ne pas jeter justement vos micro-ondes. Vous les débranchez, vous n'en servez pas pour réchauffer votre nourriture. Mais vous ne le jetez pas. Peut-être qu'on aura des moyens de lutte contre
des essaims de nanodrones ennemis qui pourraient nous venir dessus, des trucs comme ça, je ne sais pas. Faut voir. À très bientôt. Bon courage. Salut.